Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 FM Ici et Maintenant.com pour nous écouter et nous voir via Internet. Ce soir, comme tous les mercredis soirs à partir de 23 h l'émission Allons plus loin, une émission proposée et animée par Marie-Thérèse de Brosse. Nous accueillons Bud Hopkins, chercheur américain de renommée mondiale, et ceci grâce à Marie-Thérèse de Brosse qui le connaît depuis tant d'années. Ils sont tous deux versés dans le domaine plus particulier des enlèvements, des abductions. Et nous allons innover en cela. Euh, vous n'entendrez pas ce, ce genre de, de propos euh, lors des conférences euh, retransmises depuis euh, Chalon. C'est que euh, Marie-Thérèse de Brosse présente à Bud Hopkins, dans un moment, un couple euh, de sa connaissance qui a subi, si l'on peut dire, des circonstances assez particulières. Donc c'est une rencontre. Une découverte de la personnalité des travaux également de Bud Hopkins et une rencontre inédite. Nous avons demandé à l'ami Jean-Luc d'assurer la traduction dans les deux sens. C'est un petit peu long, un petit peu laborieux, mais on vous demande de, de vous armer de patience, ça en vaut largement la peine. Marie-Thérèse de Brosse, grand reporter et également auteur d'un livre épuisé chez Plon » et en cours de réédition au début d'année prochaine sur les enlèvements extraterrestres. Nous la saluons et elle nous présente Bud Hopkins. Bonsoir. Alors je suis particulièrement ravie d'accueillir ici Bud Hopkins, qui, il faut le dire, vous le savez sans doute ici, est un véritable pionnier dans, la, dans le domaine de la, la recherche sur les abductions. On peut dire qu'il a... C'est l'homme qui a complètement initié la recherche du dossier, déjà dans les années 75. Donc vous voyez, ce n'est pas tout jeune. Et contrairement à ce que disent des gens qui sont pas très bien informés, c'est à Bud que revient le grand mérite d'avoir amené et d'avoir intérêt à ce, à ce dossier, non pas seulement des ufologues, des chercheurs et des allumés, mais des gens de poids dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la psychiatrie, parce qu'il faut quand même pas oublier que si jamais John Mack a eu la curiosité de se plonger dans ce dossier, c'est parce que Bud Hopkins lui parlait de ces sujets et au début le docteur Mac, le défunt docteur Mac, lui disait mais c'est pas possible, de, ce sont des phénomènes psychiatriques, moi en tant qu'expert je peux vous dire ça n'a rien de sérieux. Bud a insisté et a littéralement traîné John Mac devant certains cas d'abduction et c'est comme ça que Mac s'est intéressé au dossier. Alors qu'on n'aille pas dire maintenant que ce sont les travaux de John Mack, qui ont assis psychologiquement le non-fondé des accusations de psychiatrie du dossier, ce sont les expériences que Bud Hopkins a faites, notamment avec une psychologue américaine, Elizabeth Slater. Tout le mérite revient à Bud. Bon, je ne vais pas lui euh, tresser des couronnes pendant 100 ans. Depuis que vous êtes, vous écoutez cette radio, vous savez tout le, toute l'estime profonde en dehors de l'amitié que j'ai pour ce personnage qui, entre parenthèses, a eu le courage de sacrifier à sa passion pour les enlèvements une grande carrière de peintre, parce que est, Bud est un grand artiste, il faisait partie de l'école de New York, et ses toiles sont non seulement dans des collections particulières, mais dans les plus grands musées américains. Bud aurait pu continuer et faire une carrière éblouissante, gagner énormément d'argent, il a préféré courageusement euh, se plonger dans ce marécage incroyable dont il essaye peu à peu de débroussailler les fils, et cela dit, sans jamais aucun esprit de lucre. Et avec, ça je peux l'attester parce que j'ai souvent vu travailler, une chaleur, une gentillesse et une profonde empathie de la détresse des abductés qui viennent se réfugier chez lui, qui ne savent pas comment prendre ce qui leur arrive. Alors Bud, hello, so pleased to see you. To see you. Very much. alors nous allons parler français parce qu'on va vous traduire à l'oreille ce que je dirais mais par contre vos propos seront traduits au fur et à mesure pour qu'on puisse vous entendre vous revenez euh, du d'un congrès en italie est-ce que vous avez eu des révélations avant que nous venions à vous vous venez du congrès qui a eu lieu en calabre est-ce que vous avez eu des révélations very No new abductions. La, co la conférence en Calabre s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de nouveaux cas d'abduction qui sont apparus là-bas, mais la conférence en elle-même a été très intéressante. Bien. Alors, maintenant, tout le monde connaît un petit peu le, le dossier des enlèvements. Moi, je considère que c'est un dossier qu'on connaît de plus en plus mal. Parce qu'il est totalement pollué par Internet. C'est-à-dire que les, les gens se contentent de surfer sur le net, de lire des informations, de ne pas les vérifier, de continuer à les propager. Et il y a plus grave encore. Je, je traîne un peu parce qu'on traduit à Bud. Il y a plus grave encore, c'est que les des amateurs. Se pique de faire de l'hypnose. Alors, avant tout, je voudrais demander à Bud, lorsqu'on est abducté, est-ce qu'il est nécessaire de passer par l'hypnose Je le provoque, bien sûr, moi je connais tout ça, mais je veux que vous l'entendiez lui-même. abductions Everybody remember some. Beaucoup de gens se souviennent de leur abduction sans hypnose et la plupart se souviennent d'une partie d'elle sans hypnose. L'hypnose a prouvé qu'elle était euh, extrêmement utile. Oui, mais ce que je veux savoir, est-ce qu'il faut systématiquement hypnotiser quelqu'un Parce que vous avez l'air de dire... Que vous n'hypnotisez, qu'il ne faut hypnotiser que lorsque les gens sont en cas de détresse, qu'ils ils vivent mal leur aventure. Well, with, I, uh, hypnosis, les, les gens avec lesquels je travaille, ceux sur lesquels je pratique l'hypnose, sont essentiellement des gens qui semblent souffrir de problèmes émotionnels. Sont essentiellement des gens qui semblent souffrir de problèmes émotionnels, that are the result of their abductions. qui sont le produit de leur abduction. If someone's life is very happy, si la vie de quelqu'un est très heureuse, well qu'ils dorment bien la nuit, uh, qu'ils ont une bonne une bonne relation amoureuse et un bon travail. Je leur dis habituellement qu'ils n'ont pas besoin de s'ennuyer à explorer cela. Bon, c'est ce que je voulais vous entendre dire, mais je voulais que vous le précisiez bien. Alors, avant de rentrer dans les domaines très pointus que Bud aborde maintenant, je voudrais justement lui présenter un couple qui fait partie de ces gens qui ont vécu les expériences d'enlèvement, mais qui les vivent bien. Ils ne sont pas traumatisés. Comme les gens sérieux qui ne cherchent pas la publicité, euh, nous allons les présenter simplement de leur prénom. Ils ne veulent pas être connus. Alors il s'agit de Annie qui est euh, décoratrice. Bonsoir Annie. Bonsoir. Et de son compagnon, François, qui est un homme très sérieux, puisque c'est quelqu'un qui, qui a toujours euh, patogé, si je peux dire, c'est un physicien mais de, recherche, euh, de recherche fondamentale, et qui a après ça appliqué ses, ses recherches à la... À la, à la Grande industrie. Et bonsoir François. Bonsoir. Alors je vais vous demander, puisque vous avez la chance d'être devant Bud, que vous racontiez non pas toutes vos aventures, parce que l'année l'autre vous avez eu pas mal de choses. François a commencé très jeune à voir des êtres. Il a fait euh, des observations au Curieusement, une qu'il a très mal vécue. Il a eu très peur, alors qu'il était marié, c'était un adulte. Hein. Il a oui, eu épouvantablement peur. Et puis il a pris une gigantesque claque un jour où il était avec quelques collègues physiciens, très pointus comme lui, dîner ensemble. Puis à une heure du matin, ils ont décidé de chacun raconter leur petite histoire. Et lorsque François a voulu parler de son observation de ses observations en VNI, il a vu la tête de ses collègues littéralement se décomposer. Leur, on le regardait avec mépris et il s'est juré que plus jamais il ne parlerait du dossier. Bon. Alors maintenant, il veut bien en parler sous couvert de l'anonymat. Alors je voudrais, François et Annie, que vous expliquiez l'expérience que vous avez vécue et pour laquelle je vous ai fait rencontrer Bud. Alors cette dernière expérience, en fait, euh, c'est un trou noir d'une journée. Une journée, c'est-à-dire 24 heures 24 heures. Hein. Euh, c'est au cours d'un week-end où nous nous sommes réveillés le lundi matin euh, sur un coup de fil de quelqu'un qui appelait Annie et qui euh, l'appelait pour le travail. Et nous lui avons fait remarquer quand même, déranger les gens un dimanche matin, ce n'était pas très bien. Et il a fallu qu'il insiste lourdement pour nous faire comprendre que ce n'était pas le dimanche, mais bien le lundi. Et Alors, là, vraiment, nous sommes tombés tous les deux complètement dénus. L'un comme l'autre vous étiez persuadé que vous étiez lundi matin. Euh, dimanche, dimanche matin, je vais dire. Persuadé d'être le dimanche matin, en train de faire une bonne grâce matinée comme tout le monde. Et il nous a effectivement démontré. On est allé se renseigner. On est allé chercher la date aussi sur l'ordinateur pour être sûr que c'était bien ça et c'était bien le lundi. Et alors... nous avons cherché par tous les moyens à retrouver. Euh, ce jour qui nous manquait, en nous disant c'est pas possible, on a dû oublier quelque chose. Quel manque de soin de perdre un jour de la semaine. C'est hein. très 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 mal vu, surtout chez un, une personne assez pragmatique. Et euh, donc euh, nous avons par plusieurs méthodes essayé de retrouver ce qui s'était passé. Alors je vais laisser Bud maintenant vous poser quelques questions. Bud, please do ask some questions to François Manet Ma première question est que vous vivez vous dans une région où on a pu observer un OVNI Oui, dans la région. Je suis dans la région de Pontoise. Il y a beaucoup d'OVNIs. Ça, c'est incroyable parce que oui, nous, avons beau, nous avons beaucoup, d'observations euh, OVNI dans la région de, de Pontoise. Et puis une des plus belles, l'affaire Ravillier, n'est pas très loin de Pontoise. C'est une sorte de nid d'OVNI. Yes, it's a kind of UFO's nest. But I, I meant if, uh, if they were going up a beam of light would they Est-ce que par hasard un voisin aurait vu un, un rayon de lumière? Nous n'en pas parlé à personne. Uh, that's the next thing that they notice anything physical different about themselves? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose spécial sur vous? Alors, le, le lundi matin, justement, quand euh, après mon coup de téléphone, j'étais mal parce que j'avais le ventre qui me, comme si j'avais une, une, le ventre était tiré vers l'avant encore. Et je sentais comme une pression sur, sur, sur une attirance sur mon ventre. Mais est-ce si. qu'il y avait une marque euh, physique visible sur votre ventre ben, J'avais l'impression d'avoir le ventre euh, marqué intérieurement. Intérieurement, donc ça ne se voyait pas de l'extérieur Non. Ah, je crois que vous m'aviez parlé d'une marque rouge. Non, vous aviez non. simplement. Non, j'avais l'impression d'avoir une marque et je n'en avais pas de physique. Physique. Did they feel unusually hungry or thirsty? Est-ce que vous avez euh, inhabituellement faim ou soif Pas comme d'habitude, enfin plus faim ou plus soif que d'habitude mm. Non, il ne semblait pas, Non. Mm. And did they have any memories at all coming back ah, Est-ce que dans les jours suivants vous avez quelques souvenirs qui sont revenus Dans les jours suivants, j'avais juste toujours cette impression de vide, mais pas il a fallu que je, je passe par d'autres choses pour pouvoir euh, avoir des souvenirs. j'avais besoin d'avoir ces souvenirs, de retrouver ce qui s'était passé. Et vous, François, est-ce que vous aviez... En ce qui me concerne, c'était un trou noir. Moi, j'étais surtout paralysé par le fait que perdre une journée, c'était pour moi quelque chose d'inadmissible. Donc j'ai voulu à tout prix comprendre ce qu'on avait fait, parce que j'étais persuadé qu'on avait fait quelque chose qu'on avait oublié. Et nous avons, par plusieurs méthodes, que ce soit repérer les courses qu'on avait faites, ou que ce soit euh, rechercher ce qu'on avait mangé chaque du midi, pour chaque voir si euh, vous pas en, en la bouteille gron, par exemple, ou, ou, ou chercher ce qu'on avait mangé tel jour, euh, le midi ou le soir. Pour découvrir finalement qu'il nous manquait effectivement un jour, mais qui n'était pas le dimanche comme nous le croyons, mais le samedi. Ah, ça c'est très intéressant. Were they, were they Est-ce que, in est que vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose de différent dans vos habits, ou ceux que vous portiez pour la nuit, ou ceux que vous avez vus par la suite Non, ah, pour ma part, non. Non j'en portais pas pour la mm -hmm. nuit donc je n'ai pas hein, j'ai pas vu de changement. <laughs> non parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans leur lit avec des vêtements de nuit qui ne leur appartiennent pas hein, ça arrive ça dans le dossier. Non nous, nous nous étions tout à fait normaux en apparence si ce n'est ce grand trouble par une journée qui nous manquait qui nous manque toujours qui est imprévisible. Et quand même cette douleur au ventre qui était étrange qui était sur tout le ventre en ayant qui n'était pas vraiment une douleur mais une sensation de dans le ventre qui me dérangeait qui n'était pas une douleur habituelle du ventre mais pas violente mm -hmm. du tout. do they have children? est-ce que vous avez des enfants? oui deux. Two, two. pour ma part un puisque nous sommes compagnons mais nous n'ont mm -hmm. pas les mêmes enfants et ils ne vivent pas avec nous parce qu'ils sont assez grands aujourd'hui. Mm -hmm. when the children were young did they ever report odd experiences? Est-ce que lorsque vos enfants étaient petits, l'un ou l'autre, ont... est-ce qu'ils vous ont rapporté des expériences bizarres qu'ils auraient vécues Non, mon, mon fils, je n'ai qu'un fils, ne m'a jamais rien répondu de, de tel. Par contre, moi, j'ai eu une expérience bizarre quand j'avais six ans, oui. Alors, vous pouvez peut-être raconter cette expérience bizarre mais... Alors, en ce qui me concerne, j'avais environ six ans. Euh, J'étais en Haute-Savoie et je jouais avec des petits camarades à une sorte de jeu de cache-cache dans une partie de forêt qui voisinait l'habitation de mes parents. Et au moment où j'allais me cacher, je me suis retrouvé dans une clairière, nez à nez, avec un, un être qui, pour moi, faisait à peu près 3 mètres de haut, qui n'avait pas de forme très définie, qui euh, lévitait en quelque sorte au-dessus du sol. Et qui me communiquait quelque chose. Je n'ai jamais su quoi. Je n'ai jamais été troublé. Je trouvais ça naturel. Peut-être était-ce dû à mon âge. Je sais qu'il m'a été dit quelque chose, mais je n'en ai malheureusement absolument pas le souvenir. Ça m'a paru assez long. Et pourtant, je pense que ça n'a guère duré plus que quelques dizaines de secondes ou une ou deux minutes, puisque j'ai rejoint tout de suite mes petits camarades pour continuer à jouer. Bon. Alors quand même, je peux, je peux préciser pour aller plus vite que, outre cette, cette expérience-là, vous en avez eu d'autres. Et que quant à Annie, elle a eu un certain nombre d'expériences aussi. Je dirais même que votre rencontre est, est marquée du saut de l'étrange. Parce que je l'explique à Bud très brièvement, parce qu'on ne va pas euh, s'éterniser. Annie avait des, des visites ce qu'on appelle dans la psychologie classique un compagnon imaginaire, que maintenant la psychologie commence à considérer d'un petit peu d'une autre façon. Et ce personnage était toujours vêtu d'un gilet bordeaux avec un jabot, si j'ai bonne mémoire. Et puis au fil des années, ce compagnon continue à se manifester, il vieillissait, mais curieusement, alors qu'il avait un costume 18e, il avait une coiffure moderne. Et puis lorsque vous avez rencontré François pour la première fois, euh, Annie, vous avez reconnu que c'était le visage de votre visiteur. Oui, je lui ai dit qu'il qu il était, il était mon fantôme, le fantôme que je voyais régulièrement de, en costume 18e, assis sur mon lit la nuit, qui me protégeait. En fait. Il vous protégeait et qui vous faisait la tête quand vous étiez et au dodo avec un, avec un autre monsieur. Hein. Exactement. Il n'acceptait pas les autres compagnies. Bon. Et, et ce qui est curieux, c'est que moi, quand j'étais jeune, je m'imaginais toujours, quand je faisais des rêves, Étant vêtue d'une chemise blanche avec jabot. Et quand elle m'a effectivement expliqué ce qui lui était arrivé, j'ai dit c'est pas possible, là tu me racontes des, des sottises, tu, tu, c'est voilà. des bobards, c'est pas possible. Et Pourtant, finalement, bon... votre histoire d'amour s'est bâtie sur cette reconnaissance de, de, de visite non acceptable pour la psychologie classique, mais enfin, voilà. Oh, ce n'est pas ce qui nous a permis oui, enfin, d'aller plus loin, mais c'est effectivement euh, un sujet qui nous a permis de comprendre qu'on avait vécu l'un et l'autre des choses particulières et qu'on pouvait donc en parler ensemble, ce qui, en règle générale, est quasiment impossible puisque la plupart des gens se moquent de vous dès que vous avez une idée particulière. Mm -hmm. Alors Bud, là, nous retrouvons la, la thématique des « dream mates », qui vous est familier, quand même. C'est très intéressant pour moi. Uh, J'ai encore, encore une ou deux questions. Est-ce que vous avez eu l'un ou l'autre des problèmes euh, inhabituels de santé En ce qui me concerne, rien qui ne soit tout à fait euh, habituel chez un humain, euh, aucune maladie euh, et, et vous, extraordinaire. Amis? Euh, moi, je pense pas quelque chose de particulier, mais je suis pas, je ne sais pas. Mm -hmm. uh, uh, ah, est-ce que vous avez eu des, des petits phénomènes bizarres concernant des grossesses éventuelles, des grossesses qui sont mal déroulées, qui se sont interrompues ou qui euh, n'ont pas abouti comme vous auriez voulu Est-ce que vous avez mm. eu un problème de grossesse ou jamais Non, pas de, pas de problème. Du, pas de problème particulier vraiment. Very good. Voilà. Um, and also, sometimes people have particular fears or phobias. Ah oui, alors très souvent les gens développent des peurs ou des phobies particulières. Est-ce que vous avez eu? Remarquez ça depuis votre aventure. Est-ce que vous avez peur d'araignées, vous avez peur de prendre l'avion, est-ce que vous avez le vertige, est-ce que vous avez peur de. Non, je n'ai pas de phobie, je, je n'en ai jamais eu. Et vous Non, non, je, moi mon, mon problème est surtout pragmatique, j'aimerais bien comprendre. Bon. Pour beaucoup d'entre nous, notre peur est George Bush. Mais. <laughs> Oui, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce vous arrivé à mm. tous les deux. Hein? Mm. Uh, D'abord, est-ce que c'est le, le. Vous connaissez d'autres cas où les gens ont disparu comme ça, à plusieurs, plus longtemps que deux heures Oui, il y a un nombre de oui. oui, il y a un certain nombre de cas où plusieurs personnes comme cela ont disparu. Oui, mais qui peut vérifier qu'ils ont disparu Moi, ce qui m'intéresse dans le cas d'Annie et de François, c'est que leur famille a essayé de les joindre au téléphone. Mm -hmm. Il était impossible de rentrer en contact avec eux. Voilà. On leur avait téléphoné, ils ne répondaient pas. Right. Uh, Well, oui, c'est la meilleure preuve qu'il vous est bien yeah. arrivé quelque chose pendant 24 heures. Hein? Mm. Oh. Alors, il faut dire que euh, Annie et François ont Annie a fait une tentative de régression hypnotique. Mm -hmm. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert J'ai découvert qu'en fait, c'est moi qui étais attirée et j'ai. Comme j'étais inquiète, je me suis accrochée à François pour l'entraîner avec moi. Alors, parce que j'ai vu dans le ciel des alors des sortes comme des tours Eiffel molles à trois pieds, quand ça faisait comme trois arcades et qui des petites qui étaient sur mon toit, comme si c'était des branches d'étoiles et qui est le j'avais je, je suis sous les toits avec une fenêtre de toit et le un, avec je voyais comme si c'était le vide directement derrière avec ces, ces petites euh, branches étoiles qui me regardaient mais en n'ayant pas de regard ni de visage et je me suis sentie tout un coup attirée par le, le milieu du ventre comme aspirée dans l'espace dans le vers le ciel et à ce moment-là j'ai accroché françois pour qu'il vienne avec moi et vous êtes partis tous les deux ce qui est intéressant et... sur les dessins que vous avez réalisés ces petites, que vous appelez ces petites tours Eiffel, on en voit une qui vient carrément se loger au-dessus de votre ventre. Vous êtes horizontale et elle semble vous aspirer comme une ventouse ou comme une force qui vous aspire. Et vous êtes toute molle, horizontale et visiblement, sur le dessin, on voit que vous êtes aspirée. Mais il a fallu que ça soit l'hypnose oui. qui vous révèle ce scénario. Et depuis que vous avez découvert ça sous hypnose, qu'est-ce que ça vous a fait Ça a réveillé des souvenirs mais j'avais une illusion après le, le lundi, après, enfin après l'hypnose, j'avais vraiment l'illusion d'avoir rencontré des gens très doux, très bons et que j'étais dans un espace de, de chaleur et de, de bonheur parfait et nous étions habillés d'ailleurs comme les, comme dans la chapelle Sixine avec des vêtements en lin blanc, nous n'étions plus nus, nous, avions, nous étions dans le... Quand je nous regardais, nous, étions, nous avions des, des voiles de lin blanc sur nous, et ces, petites, euh, ces petits bonhommes, nous, qui avaient l'air de capucins un peu, nous regardaient et se, sans regard et, et se penchaient l'un vers l'autre pour communiquer, mais euh, s'approchaient sans, sans, en ne nous faisant rien du tout, juste en s'approchant de nous, en nous regardant. Et on était en, dans l'espace, mais en ayant que des étoiles autour de nous, plus de maisons, plus rien d'autre que, que des étoiles. Bon, alors on va, ne on va pas continuer trop longtemps parce que le, le, le problème de l'hypnose, il faut savoir, on ne va pas rentrer dans ce, ce cas trop en détail parce qu'on va profiter de la, la présence de Bud. Il faut savoir comment est-ce que l'hypnose a été faite, si elle ne vous a pas infléchi ou induit dans une direction ou dans un autre. Mais pour Bud, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une thématique un petit peu plus New Age déjà dans cette euh, histoire euh, d'enlèvement. Vous êtes euh, vêtu de lin blanc, vous êtes baigné dans une atmosphère euh, d'amour. Alors, donc, ce qui m'amène à demander à Bud, justement, comme le dossier continue, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il évolue et comment évolue-t-il? Bien sûr, je je ne peux pas parler naturellement euh, sur un cas comme celui-là dans lequel j'ai du mal à interviewer euh, les gens et à communiquer avec eux. Ils me paraissent être des gens parfaitement honorables. Et ils ne paraissent pas essayer de rechercher de la publicité ou de l'attention. One of the problems is that the UFO phenomenon uh, has been—it's been shown to be very deceitful. L'un des problèmes avec le phénomène ovni, c'est que il a, on a démontré qu'il paraissait euh, procéder de la déception. And the way a person remembers how everything looks may be quite different. Et la manière dont une personne semble se souvenir de ce qui s'est passé peut-être très différente de ce qui s'est passé. Nous ne savons pas comment traiter cela, excepté avec une euh, hypnose euh, plus profonde. Mais les choses changent en termes de souvenirs. Mais les, changes, les, les choses changent souvent en matière d'hypnose et de, de souvenirs. In one case, I had a woman remembered her mother, her, her deceased mother. Dans, dans un cas que j'ai étudié, une femme se souvenait de sa mère décédée. Who would come into her room uh, with uh, the aliens? Qui était venu, euh, qui était rentré dans sa chambre avec euh, les extraterrestres Her mother said to her, uh, she, she wanted to scold her to make her lead a better life. Et, et sa mère euh, lui a dit qu'elle venait pour euh, lui secouer un petit peu les puces afin qu'elle mène une vie meilleure. But she was tying her deceased mother to the aliens. Mais elle reliait sa mère au, euh, aux, sa mère décédée aux extraterrestres s'est elle, elle se souvenait que sa mère l'avait emmenée devant un miroir et l'avait fait se regarder dans le miroir lui disant de regarder son propre visage et ses propres péchés a religious recollection. une sorte de souvenir religieux. Under hypnosis, however, the person who she thought was her mother was not her mother. Mais sous hypnose, la personne qu'elle pensait être sa mère en fait n'était pas sa mère. It was another alien. C'était un autre extraterrestre. And when she was taken up to the mirror, et quand elle été, quand elle avait été emmenée vers le miroir, she suddenly said, "It's not a mirror; it's a window." Elle a dit en fait ce n'est pas un miroir, c'est une fenêtre. And we're going through it. et nous allons à travers cette fenêtre. So Donc toute l'histoire en fait était différente. totalement différente de ce qu'elle croyait avant, oui. The way she had wanted it to be. De de la manière dont elle voulait qu'elle soit. Now, I'm not saying that's the case here. Je ne dis pas que c'est le ah, cas non, oui, ici même. Because I have no idea. Parce que je n'en sais rien du tout. But we always have to be very Of, of, uh, Mais nous avons toujours à être très méfiant des euh, souvenirs conscients. The are able to put in our minds. Parce que les extraterrestres sont capables d'introduire des images dans nos esprits. In an early case of mine, a woman remembered talking to a beautiful deer. Dans un des premiers cas que j'ai traités, une jeune femme Virginia. se souvenait se souvenait d'avoir vu un cerf. Virginia Horton. Virginia Horton. The deer had beautiful big dark eyes. Le cerf avait de très beaux yeux sombres. And under hypnosis the deer turned into a gray alien. Et sous hypnose, il s'est transformé en un extraterrestre gris. The only thing that's as deceptive as the aliens themselves la, la seule chose qui soit aussi dé, décevante, trompeuse. trompeuse, trompeuse que les extraterrestres est <laughs> certainement le, le gouvernement et la manière euh, dont il traite ce problème. Ne croyez jamais ce que vous dit un officiel d'un gouvernement sur ce sujet. Et ne croyez jamais ce que, vous, ce que peut vous dire un alien à propos de ce qu'ils sont là pour faire. Safer to be a little cynical. Le, le, le plus sûr est d'être légèrement cynique. C'est amusant que vous citiez cette, cette histoire de, de confrontation devant le miroir. Je me souviens avoir rencontré à New York, par votre intermédiaire, un abducté qui s'appelait Rusty. Je pense que vous vous souvenez de Rusty, de son aventure avec le miroir. Oui, bien sûr, mais Rusty... Rusty mais oui, alors les, les auditeurs ne connaissent pas ça, je vais le dire. En, en, mm. euh, Rusty était un joueur de... Quel joueur est-ce qu'il jouait un joueur... Il avait une formation de jazz, je crois. Il jouait fort mm. bien. Mm. Et mm. il était dans, dans un hôtel avec son, son band, enfin son, son orchestre. Et je laisse Bud raconter l'histoire de Rusty et du miroir, qui est importante pour la façon dont les aliens se manifestent, parce que ça, c'est très spécial. Il y a des ressemblances dans le cas dont nous venons de discuter ici avec des cas que j'ai étudiés au cours des années précédentes. May I tell you about a woman in Texas? Uh, who was in a, her truck. Puis, puis je vous raconter euh, le cas d'une femme, femme qui, était dans le, qui était au Texas dans son camion. Elle s'est retrouvée en train de vouloir aller euh, faire un bout de conduite. Elle n'avait aucune idée pourquoi est-ce qu'elle avait besoin d'aller soudainement conduire. She left her children Uh, in the charge of her elle a laissé ses enfants avec ses parents. Elle a conduit pendant des heures sans savoir où elle allait. It got dark and she over to stop. Et la nuit est tombée et donc elle s'est arrêtée sur le côté and fell asleep in the truck. et s'est endormie dans le camion. Elle s'est réveillée le matin et euh, il faisait soleil. And et un fermier était en train de frapper à la fenêtre de son camion. He said, Are you all right? Il lui a demandé si elle se sentait bien. And she said she was. She's just elle a répondu oui, ça va, simplement je me suis endormie. No et le fermier lui a répondu mais quand je suis passé devant votre camion hier matin il n'y avait personne dedans. And she had lost an entire day. Et elle avait donc perdu une journée entière. Les parents avaient appelé la police entre-temps parce qu'elle n'était pas rentrée s'occuper de ses enfants. To her, it was just the next morning. Et pour elle, c'était simplement le matin suivant. Comme François et Annie. Bon, Nous allons peut-être faire une petite pause musicale et nous reprenons avec des êtres transgéniques. Alors donc nous reprenons avec notre cher Bud Hopkins qui commence à ouvrir ses dossiers les plus sulfureux. Avant nous avions des histoires bien classiques, un petit peu toujours les mêmes, de gens euh, enlevés par des aliens, euh, généralement un généralement, hein, grosso modo euh, type petit gris parce que c'est le modèle que je euh, caractérise d'archétypal. Bud s'est posé le problème parce que il commence à se manifester sur Terre des présences assez bizarres. Et euh, Bud parle carrément d'être transgénique. Alors, il faut savoir, n'est-ce pas, que dans le dossier des enlèvements, classiquement, les méchants aliens prélèvent du sperme à ces messieurs, des ovules à ces dames, ils font de joyeux petits mélanges dans les éprouvettes. Les enlever, je dis ça avec un peu d'humour, parce que sinon c'est un dossier vraiment, quand on le vit avec les gens qui sont passés par là, c'est dur. Hein. Euh, les enlever, quand ils se retrouvent à bord du vaisseau, voient des containers dans lesquels flottent des, des fœtus, dans du liquide. Ils voient souvent des enfants assez monstrueux, qui sont ni tout à fait enfants, ni tout à fait aliens, qui sont pas lichons, mais grichons, le poil rare, des grandes têtes. Et les malheureuses enlevées, surtout les femmes, sont obligées de les materner, de les tenir dans leurs bras, de les chouchouter. Au début, elles les trouvent repoussants, puis quelquefois, elles sont persuadées que ce sont leurs enfants, elles. Dans d'autres cas, elles vont déclarer que elles ont senti, confrontées à ces enfants, que ces enfants détiennent toute la sagesse du monde, un savoir absolument incroyable. Enfin, le, le dossier est quand même assez lourd. Seulement, maintenant, il semblerait c'est sur Terre, sur notre bonne planète, que les gens sont confrontés à des êtres étranges. Alors, un des, un des autres grands ténors de la recherche euh, en abduction, en abductologue comme j'aime les appeler, euh, le docteur Jacobs, lui qui est très sûr du schéma, il est assuré qu'il connaît bien le, la volonté des aliens, qui sont en train de mener une gigantesque expérience d'hybridation. Et cette expérience d'hybridation va se faire à plusieurs niveaux. Les hybrides vont être remariés euh, euh, par des manipulations génétiques à d'autres euh, êtres comme nous, qui peu à peu vont nous remplacer. Bon, ça, c'est le scénario du docteur Jacobs. Je voudrais savoir quel est le, le scénario de Bud Hopkins, puisqu'il nous fait le plaisir d'être là. Pourquoi alors toutes ces, euh, toutes ces possibles expériences génétiques et surtout que sont ces êtres que vos sujets disent rencontrer? My personal feeling is that the aliens have been extremely interested in creating these hybrid beings that are part human and part alien. Mon, mon sentiment personnel est que les extraterrestres ont été surtout intéressés à créer ces êtres hybrides qui sont en partie humains et en partie euh, aliens. C'est un intérêt pour la reproduction et non pas un intérêt pour la sexualité. Dans le premier cas dont nous ayons jamais entendu parler, celui de Betty Hill, A needle was inserted in her navel. Une, une aiguille a été introduite dans son nombril. They told her it was a um, pregnancy test. Ils lui ont dit que c'était un test de grossesse. Whatever that means. quest que cela signifie? Uh, but they took a sperm sample from her husband Barney Hill. Mais ils avaient prélevé un échantillon de sperme sur son mari Barney. So from the first of this phenomenon as we got to know it. Donc dès le premier cas de, de ce phénomène tel que nous le connaissons, il semble donc qu'il y ait eu un intérêt pour la reproduction, ce qui nous amène ensuite aux hybrides being sort of bloated. Uh this is something we've heard many times before. Euh, Annie qui est ici présente lorsqu'elle a décrit son ventre qui lui paraît euh, gonflé euh, se trouve dans une situation qui a été euh, que nous avons dont nous avons déjà entendu parler euh, par ailleurs. That turns up in abduction reports uh, as tenderness, a sense of being bloated. Euh, Cela est déjà apparu dans certains euh, rapports euh, d'enlèvement. Euh, cette sorte d'impression d'être gonflé. Mais pour, pour en tout cas dans tous les cas que je connais, il n'y a aucun cas dans lequel il y a eu une sorte d'appareil appa, aspirateur qui soit au-dessus pour euh, l'attirer. So my guess is that the mark on her body and the feelings are connected with a reproductive process not a lifting process. Donc euh, pour moi mon impression est que euh, son sen ce sentiment d'avoir une marque et d'avoir été gonflée est lié à quelque chose qui était à propos de la reproduction et non pas euh, au fait d'être attiré vers l'extérieur d'être élevé. There's a great deal of evidence that the aliens whoever they are Are interested in our emotional world. Il semble qu'il y ait un certain nombre de preuves indiquant que euh, les extraterrestres, quels qu'ils soient, euh, sont en fait euh, intéressés par les émotions. They seem emotionally blank. Ils paraissent être euh, émotionnellement euh, complètement neutres. Et Ils paraissent être extrêmement intéressés par la manière dont nous-mêmes réagissons euh, à des situations. Oui, mais alors là, je vous coûte, But, parce que ça, cette partie du dossier, on commence à la connaître un peu, on l'a vu souvent, avec les, les expériences atroces auxquelles ont été soumis. Des abductés où on leur fait, euh, on les oblige à avoir un choix. Ils doivent torturer quelqu'un qui est leur père, leur mère, leur frère, un proche et qui, au dernier moment, va se révéler être un alien, juste pour savoir comment ils vont réagir. Est-ce que je vais le faire du mal parce qu'on me l'ordonne? Est-ce que ça va me broyer de faire du mal? Bon, ça, on sait qu'ils, 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 entre guillemets, qu'ils entre guillemets, euh, étudie nos, nos sentiments et nos réactions. Mais vous, vous allez plus loin. Vous avez l'air de dire que les, ces manipulations génétiques, ces expériences d'hybridation faites par les aliens, tentent à mettre au point une nouvelle race avec des gènes différents qui vont être lâchés sur Terre et qui sont lâchés sur Terre parce que vous avez beaucoup de témoignages de gens qui ont rencontré ces êtres qui ne sont pas tout à fait normaux. Et dans le futur, ces gens, mais évidemment c'est une hypothèse de votre part, seront débarrassés des gènes dont ils n'auront plus besoin pour la vie sur Terre et épurer cette nouvelle race qui a quand même une partie de nous dans son patrimoine génétique. Va être finalement les rois du monde. Nous allons être évincés au profit de cette race de transgéniques. Mais ce que j'aimerais, c'est que concrètement, on ne peut pas parler que des suppositions. Vous avez rencontré, je vous donnerai des cas qui me sont arrivés aussi. Vous avez rencontré des personnes qui ont été confrontées à des êtres entre guillemets bizarres. Je voudrais que vous nous donniez quelques expériences, quelques cas. Well, the first thing to be said. is that we don't know ultimately what's going to happen. la, la première chose qu'il qu faut dire c'est que nous ne savons absolument pas ce qui arrivera finalement. whether the goal is to infiltrate society and take it over whether the goal is to enrich themselves by acquiring some of the riches of the human spirit. Est-ce que leur but est de s'enrichir eux-mêmes en s'appropriant certaines des richesses de l'esprit humain Et puis ensuite de, de partir et de peupler une autre, un autre endroit Ou il peut y avoir aussi beaucoup d'autres possibilités en fait, nous ne savons absolument pas ce qui peut arriver. c'est pourquoi je vous propose de ne pas spéculer mais que nous faisions de la simple phénoménologie et que vous nous parliez de ces rencontres tout à fait bizarres que vous avez pu l'investiguer in, in um, well, many, many have the capabilities Of the aliens. Dans au moins un cas et même dans plusieurs, il semble que les êtres hybrides aient les capacités des extraterrestres. acceptable. Bien qu'ils soient capables de paraître humains et d'être acceptables par nous. As an example, in one case, a woman had a guest who was another woman friend. And who was an abductee also. Dans, dans un cas, par exemple, il y avait une femme qui avait une invitée chez elle qui était elle aussi une enlevée. In the middle of the night, they awakened. The room was filled with light. Dans, euh, en plein milieu de la nuit, elles se sont réveillées. Et la pièce était remplie de lumière. And this hybrid being was standing there, looking like a man in clothes. Et cet être hybride se tenait là debout, pa ressemblant à un homme avec des vêtements. The host woman, who was an abductee, had seen him since childhood. Et l'hôtesse qui était elle-même une femme déjà enlevée, le, co le connaissait, l'avait l'avait vu depuis son enfance. He could apparently enter her apartment or house by going through a wall or a window il pouvait apparemment rentrer dans son appartement en passant à travers un mur ou une fenêtre. Il, il, était, his mind. il était capable de provoquer sa, sa paralysie par l'action de son esprit. Mais il pouvait aussi aller dans un restaurant et commander un repas. The next thing that happened was the aliens arrived through the wall. Ce qui est arrivé ensuite, c'est que les extraterrestres sont arrivés à travers le mur. Et il a escorté les deux femmes en accompagnant euh, les extraterrestres dans le vaisseau. And some time later, they made Et euh, un peu plus tard, séparément, elles ont chacune fait des dessins. Of this man, one drawing was very skillful. Euh, des dessins donc de de cet homme l'un de ces dessins euh, était particulièrement euh, ter terrifiant et l'autre l'autre dessin était assez grossier mais les deux dessins euh, étaient très étaient identiques euh, dans leur représentation of the first woman's family Remembered seeing him too over the years. Et des membres de la famille de la première femme se sont souvenus aussi d'avoir vu cet homme au cours des années. And he apparently never aged. Et apparemment, il ne prenait pas d'âge. I know this sounds completely crazy. Je sais que ça parait complètement fou. But we have many, many cases like this. Mais. Mais nous avons de nombreux cas avec ces êtres hybrides qui ont les capacités des extraterrestres. Et qui jouent un petit peu le rôle d'ambassadeurs des extraterrestres et qui leur facilitent les choses. Vous avez un, un cas extraordinaire d'une jeune fille qui a été convoquée par téléphone à un entretien de travail. Euh, elle demande à sa mère de lui prêter sa voiture. La mère ne pose pas de questions et la jeune fille va à ce rendez-vous de travail. On lui propose un job pour l'été comme une étudiante, elle est ravie, elle accepte. Et ça se tourne par un véritable cauchemar, je vais pas raconter ici, c'est trop long, euh, mais elle est reçue par quelqu'un qui n'a rien d'humain, qui apparaît humain, qui semble humain, qui lit à travers son cerveau puisqu'il va même lui dire... Je sais que tu t'es fait déflorer hier par un tel, or sa personne ne savait même pas sa mère. Il y avait que elle et son petit ami. Donc, des gens qui ont également des capacités télépathiques. Well, in this case, uh, the first point to be made is that the young woman. Dans ce cas particulier, il faut d'abord souligner que la jeune femme en question m'avait contacté non pas pour cette expérience-là, mais pour toutes les expériences qu'elle avait connues au cours de sa vie. I had known her a year she this il s'est passé plus d'un an avant qu'elle ne, après que je l'ai rencontrée, avant qu'elle ne mentionne cet incident particulier. She wasn't sure how, what to make of it. Elle ne savait pas du tout euh, quoi en faire. Et vous, vous savez quoi en faire? You, you know. <laughs> What happened uh, first was when the man approached her in a pizza parlor. Ce, ce qui s'est passé, c'est que la première fois, l'homme s'est euh, approché d'elle et c'était dans une pizzeria. And asked her if she wanted to come for a job interview the next day et il lui a demandé si elle voulait venir pour une interview de travail pour le jour suivant she said she would uh, and he said he would pick her up at her home and elle a dit d'accord et il lui a répondu que donc il viendrait la chercher chez elle She's not sure that she ever told him the address mais elle n'est pas sûre du tout de lui avoir jamais dit l'adresse but he told her the time and he drove up at that particular time in a car Or, il lui a fixé une heure précise et il est arrivé à cette heure précise en conduisant une voiture. C'était une très jolie jeune fille de 16 ans. Her was of her. Sa, sa mère était très protectrice. Et elle a simplement dit à sa mère qu'un homme était venu la chercher pour passer une interview. And her mother, more or less, said goodbye and good luck. Et, et sa mère a à peu près dit eh ben, au revoir et bonne chance. No name, no destination, no nothing. Elle n'a pas demandé de nom, pas l'endroit du rendez-vous, rien du tout. Quand elle est rentrée dans la, dans le, dans la voiture, euh, dès le premier instant où elle a été dans la voiture, elle a dit je me sens très bizarre, je me sens toute petite. and then she said but my body feels like it's huge. mais euh, mon corps paraît être énorme she felt that she was in some kind of spell. and at that point the man began to tell her about her past life uh, things that had happened to her as a child. Et à ce moment-là, cet homme a commencé à lui parler de choses qui s'étaient passées dans sa vie lorsqu'elle lorsqu était enfant, a abuse that when she was y compris un incident d'abus sexuel qui lui était arrivé lorsqu'elle était toute petite. She had never told anybody this. et dont elle n'avait jamais parlé à qui que ce soit. And that's when he then began to tell her about her um, sexual adventure with her boyfriend. Et c'est là où il s'est mis aussi à lui parler de ses aventures sexuelles avec son petit ami. Son aventure, oui. c'était tout nouveau, oui. Finalement, ils sont arrivés à un petit immeuble de bureau. She didn't get out and run for help. Elle ne s'est pas enfuie en, en demandant de l'aide. as if she were still under his control comme s'il était toujours sous son contrôle she went up the stairs with him to this office elle a monté les escaliers avec lui jusqu'à son bureau the office contained a chair a desk and a map le bureau contenait une une chaise un bureau et une carte pas de téléphone pas de computer rien rien d'autre nothing else rien d'autre <laughs> and the man did not tell her really what the job was Et le type ne lui a absolument pas parlé de ce que pouvait être le travail en question. Mais il lui a assuré que ça serait un très très bon job. Et tout ce qu'elle aurait à faire, c'était de faire avec lui ce qu'elle avait fait avec son petit ami. No at il n'y avait aucune tentative de flatterie ou de séduction. None of the things that a a, a, a pedophile would try se... to do ordinarily. <laughs> Rien de ce qui se passerait ordinairement avec quelqu'un entre décide de de séduire une, une, oui. une femme. She refused. Elle a refusé. Ultimately, uh, she said this is wrong, I have to leave. Et finalement elle lui a dit non ça va pas, je dois partir. Il lui a redemandé encore, il lui a redit encore qu'elle aurait juste à faire la même chose qu'avec son petit ami. She Elle a refusé, elle est allée à la porte. down car. Il l'a emmenée jusqu'à la voiture. Et là, elle est remontée dans la voiture. Did N'a pas appelé sa mère, n'a pas essayé d'appeler à l'aide. He drove her out into the countryside. Il dans la campagne. She started to get frightened all over again. Là, elle a commencé à être, euh, très effrayée. They pulled into a uh, into a lot where there was tall grass and a round house. Par terre et une maison ronde. The round house turned out to be a UFO. La maison ronde s'est retrouvée être en fait un OVNI. L'homme est rentré dans l'OVNI en est ressorti avec un groupe d'extraterrestres. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé à partir de là parce qu'elle est devenue effrayée sous hypnose. The man then drove her Finalement, l'homme la reconduite avec sa voiture chez elle. Et à ce moment-là, elle ne se souvenait plus de la partie impliquant l'ovni. Mais il semble que euh, il y avait un contrôle à la fois d'elle, de sa mère et de son comportement en général. C'est un seul cas parmi trois similaires que j'ai, impliquant comme ça de fausses uh, interviews pour du travail. C'est très difficile de savoir ce que cela peut bien signifier. Alors là, on a un scénario qui est inquiétant, mais un petit peu cohérent. Mais il y a d'autres cas où les témoins sont confrontés à des, des êtres pas tout à fait achevés parce qu'ils ne sont pas capables de parler normalement, ils ne sont pas capables de se comporter normalement, et quelquefois, pour parler un peu un peu vulgairement, ils se plantent complètement, par exemple, dans leur façon de s'habiller. Je sais, vous avez euh, évoqué un. Un trio d'êtres qui étaient habillés comme des clowns dans un restaurant, comme s'ils cherchaient à attirer l'attention. Alors, ce qui est très intéressant, parce que lorsque je disais je votre dernier livre, euh, comme ce qui s'appelle unseen, Sight Unseen, euh, il se trouve, vous parlez d'une un, histoire très curieuse deux amis sur une autoroute. Qui dépasse un petit vieux à bicyclette. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il est totalement exclu qu'un cycliste puisse s'aventurer sur une autoroute. Les deux, les deux amis trouvent ça excessivement étrange, d'autant que le, le, le personnage sur sa bicyclette est barbu, il a un chapeau de forme, tout ça, ça va pas. Il continue, il roule et plusieurs miles plus tard, il dépasse exactement le même petit vieux sur sa bicyclette. Alors, butte, je voudrais vous poser une question. Je lis, ce, je lis cet épisode. Moi, je sais que c'est le genre d'histoire, quand on me les raconte, je n'ose pas les publier, mais j'en ai quand même pas mal dans, dans mes dossiers. Et je traduis à voix haute ce passage de votre livre à une de mes amies qui ne parle pas anglais et qui est une fille excessivement médium, mais... Pas du tout mythomane et très sérieuse qui ouvre les yeux ronds et je vois toute la famille autour d'elle j'avais lu euh, ça devant devant plusieurs personnes toute la famille ouvre les yeux ronds et voici ce qu'elle me raconte c'est une parisienne Elle me dit un jour je prends le métro pour rentrer chez mes parents qui habitent dans le 14e je monte dans le métro et je vois un couple invraisemblable vêtus comme des comédiens de cirque et on peut voir des gens en costume de comédiens ça ne vous inquiète pas je ne sais pas pourquoi ça me fait une impression très désagréable et je descends les détails sont importants je descends au métro république et je prends la correspondance donc le métro qui devait me conduire chez mes parents je monte dans le métro dans le compartiment dans lequel je monte ce couple de faux comédiens était là je suis épouvantablement mal à l'aise parce que c'est impossible qu'ils aient pu monter dans ce métro avant moi. Et lorsque je sors de la station de métro proche de mes parents, je monte l'escalier, le couple était à l'extérieur de la station de métro, ils m'attendaient. Et toute la famille était au courant parce qu'elle avait été tellement traumatisée par cette histoire qu'elle l'avait racontée à chaud en disant ⁇ Mais c'est pas possible une histoire pareille !⁇ Cette histoire dans le, dans le métro avec ces comédiens de cirque est absolument fascinante. Et une chose que vous pouvez pratiquement dire pour sûr, is that they whoever they were wanted her to see them and remember them il quel que soit le, le il en question voulait qu'elle les voie et qu'elle se souvienne d'eux it's almost as if each one had a sign who said look at me how strange i am you'll remember me c'est un peu comme si chacun d'entre eux portait un signe disant regardez-moi regardez comme je suis étrange souvenez-vous de moi and it's almost impossible to understand why that would have been done et il est quasiment impossible de comprendre pourquoi euh, cela a pu être fait. Alors, dans votre espèce de construction de ce monde fou des abductions, qu'est-ce que vous faites de ces témoignages qui se multiplient Moi, je dois reconnaître que j'en ai de plus en plus. Well, I don't know what to make of cases like this, but I like to record them to save them uh, to see if there's a pattern here. Je, je ne sais vraiment pas quoi penser de cas comme cela, mais euh, ce que je veux faire, c'est euh, les, les enregistrer, les classer et voir si on peut euh, distinguer une, une sorte de modèle à travers eux. A, a kind of c'est aussi une sorte de vacances par rapport à, euh, aux cas habituels d'enlèvement. Où, cas après cas, c'est toujours la même chose qui paraît se produire. Mais je suis le premier euh, mm -hmm. à dire combien cela me paraît fou, même à moi. Bon, alors, ça, ce sont ces êtres un petit peu obsolètes, mais dont les témoignages se multiplient. Ces êtres bizarres, c'est une nouvelle frange du dossier. Mais nous allons venir à une autre face de cette enquête que vous poursuivez, mais peut-être après une petite plage de musique. Donc nous avons ces êtres tout à fait étranges qu se... qui semblent se manifester. Enfin, il y a de plus en plus de témoins dignes de foi qui décrivent des, des êtres qui ne sont plus des aliens. En même temps, dans certains cas, on ne peut pas dire classique, parce que je vais parler de la, de, de, du cas de Linda, on ne peut pas dire que le cas de Linda c'est une abduction typique, parce que c'est sans doute le cas le plus fou. Vous avez fait un bouquin de je ne sais combien de pages, Witness. vous c'est hallucinant l'histoire de, de Linda Cortillet. On voit à un moment que Linda agit comme si elle était une alienne. Donc il y a une sorte d'interprétation de la psychologie humaine par la psychologie alien. Comment est-ce que vous expliquez ça encore une fois Parce que Linda, je la connais. Euh, J'ai couru les boutiques de fringues avec elle. J'ai bouffé dans des beaux restaurants. J'ai bu des bons vins. Euh, C'est une femme délicieuse à vivre. Et d'un seul coup, elle agit comme une alien. Qu'est-ce que ça veut dire Well, the incident where uh, she was on the beach and she began to condemn these people for spoiling the uh, environment. L'incident auquel vous faites allusion est lorsqu'elle se trouve sur la plage et qu'elle commence à condamner les gens pour avoir euh, pour, pour avoir agi sur l'environnement, ne pas s'occuper de l'environnement. Et là, elle a attrapé euh, un poisson mort qui était sur la plage et elle l'a brandi et agité devant eux de, de devant manière accusatrice. Attendez, attendez, il faut quand même que les gens qui, qui n'ont pas lu Witness connaissent ce, ce détail. À qui est-ce qu'elle montrait À qui est-ce qu'elle montrait ce poisson She was showing the fish to two uh, agents, government agents, who had been abducted, and a very important. Elle montrait ce poisson mort à deux agents du gouvernement qui avaient été enlevés, ainsi qu'à un personnage politique extrêmement important qui avait été enlevé en même temps qu'eux. Donc, ce qui ce qui était exprimé là euh, avait un sens par rapport aux personnes à qui c'était destiné. C'était là une condamnation du pouvoir politique de la terre. Qui gérait mal le rapport avec l'environnement. Ce qu'elle a réalisé après l'incident en question, really c'est que ce n'était pas euh, sa voix à elle qui parlait, ni sa façon de parler. Elle a dit En I je n'aime pas les poissons <laughs> Elle a dit dans, la, dans, dans ma vraie vie je n'aime pas toucher le à poisson. I have the man in the store fillet the fish because <laughs> I won't open them. C'est le c'est le poissonnier dans le magasin qui ouvre le poisson et qui le vide pour moi parce que j'aime pas le faire moi-même. And the mineral she was mentioning that were involved in the problems in the environment. Et euh, elle, elle parlait de, de certains euh, minéraux qui, en fait, sont euh, impliqués dans des problèmes environnementaux. Et c'était des noms qu'elle ne connaissait même pas dans son état d'esprit habituel. So I have this, uh, alien Donc, c'est ce que j'appelle la cooptation extraterrestre. Where temporarily, it seems, They can take over another person. où Il semble que temporairement euh, les extraterrestres soient capables de prendre en, en charge euh, quelqu'un d'autre. Euh, en fait, j'ai un certain nombre de cas où la même chose s'est produite. Where the person, the abductee, finds himself acting as if he were an alien où la personne qui a été enlevée se retrouve en train d'agir comme si elle était elle-même un extraterrestre. C'est euh, simplement un autre aspect de cette capacité euh, des extraterrestres à contrôler les esprits. Mais comme je l'ai dit, si ils peuvent faire que une fille dans les arbres pense qu'elle parle à un oiseau, qui ressemble juste à un oiseau, mais comme, comme je l'ai dit précédemment, s'ils sont capables de faire croire à une petite fille qui est dans les bois qu'elle est en train de parler à un cerf, like to apparemment, ils sont capables de faire prendre à une femme qui n'aime pas toucher des poissons, d'en prendre un, de l'attraper de le brandir. Et de un petit sermon sur Ecological problems we face. Et de prononcer euh, un petit sermon sur les problèmes écologiques auxquels nous faisons face Bon, alors, encore une fois, c'est une piste qu'on avait commencé à aborder, que John Mack avait beaucoup abordé, lui, parce qu'il voyait carrément des sujets qui disaient qu'ils avaient été aliens dans une autre vie, et puis ils venaient se réincarner sur Terre. C'est comme s'il y avait

une personne pensait euh, qu'elle avait été une extra, un extraterrestre auparavant, mais euh, le lavage de cerveau extraterrestre apparemment fonctionne bien. Isn't there something called the Oslo where come to Cela ressemble euh, un peu au, à ce qu'on appelle le syndrome d'Oslo, dans lequel des gens qui ont été euh, faits prisonniers euh, s'identifient à leur... Euh, à that's involved here. Et c'est peut-être ce qui se passe ici. Alors, donc nous essayons de reprendre. Nous avons ces, ces expériences de prélèvement de matériel génétique qui sont faites de façon totalement absurde, puisqu'on sait bien que maintenant il suffirait pour avoir le génome entier humain de prélever une fois pour toutes un petit fragment d'ongles et de cheveux et de le dupliquer. Alors, nous avons tous ces prélèvements. Nous avons ces visions de fœtus, de bébés hybrides. Et nous avons en plus cette multiplication d'êtres hybrides. Et là où c'est un petit peu ennuyeux avec vous, mon cher Bud, parce que vous dites toujours que vous n'hypnotisez jamais les enfants. En dessous de, de 18 ans. Hein. Même quand vous dites les enfants, vous ne vous refusez d'hypnotiser de, des gens très jeunes. Vous avez quand même des cas d'enfants très jeunes qui vous racontent spontanément qu'ils sont enlevés et qui se trouvent dans des grandes pièces qui sont souvent d'apparence humaine, d'apparence terrestre, confrontés à une multitude, ça peut être 10, 20, 30, sont des clones? sons des hybrides, enfin d'enfants qui ne sont pas du tout comme eux, qui ne réagissent pas comme eux, qui les regardent et on demande à ces enfants de jouer, d'agir, de se servir d'instruments comme s'ils devaient éduquer ces bébés ratés. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires well, il me semble que dans ce cas-là, il y a un but éducatif qui est poursuivi. Que les extraterrestres, en fait, essayent d'obtenir que ces êtres qu'ils ont créés réagissent comme nous-mêmes nous agissons. Vous voyez, je The aliens envy us in many respects. Je crois qu'en fait euh, par plusieurs côtés euh, les extraterrestres sont jaloux de nous. I think that they are moved by the way we love our children and our babies. Je crois qu'ils réagissent à la manière dont nous aimons euh, nos bébés. It's as if something that has died out for them. C'est comme si, si c'était si quelque chose qui a disparu, qui est mort chez eux et qu'ils essayent maintenant d'obtenir de nous. Toi, c'est une hypothèse parce qu'on peut également euh, imaginer qu'ils veulent imiter totalement notre comportement pour ne pas pouvoir être différenciés de nous. Et ce n'est pas du tout qu'il leur manque quelque chose, c'est la cinquième colonne bien formée. Nous ne pouvons absolument pas. Nous savons absolument pas pourquoi ils font cela. Et évidemment, c'est une possibilité. Is just a way of how to fit in. Ils sont juste. En, ils seraient juste en train d'apprendre la manière de pouvoir se fondre parmi nous. And I can't a lot of to it. Mais je ne peux pas but, montrer beaucoup de preuves de cela. But I do believe they envy us our energy our our differences mais je crois qu'ils sont vraiment jaloux de nous de notre énergie de nos différences we have a spirituality as humans that i think they seem to lack nous avons euh, en tant qu'êtres humains une spiritualité qu'à mon avis ils semblent eux ne pas avoir many people have described the aliens as having what seems like a hive mentality beaucoup de gens ont décrit les extraterrestres comme paraissant avoir une mentalité qu'ils ont décrit comme étant celle d'une ruche. no one ever says uh, during an, an abduction or afterwards that one of the aliens seemed to have a sense of humor and another seemed to be nicer. Personne lors des, des expériences d'enlèvement décrites n'a dit, par exemple, que l'un des extraterrestres paraissait avoir le sens de l'humour, qu'un autre, lui, paraissait être plus gentil. Ce sont là de simples exemples, mais il ne semble pas que nous puissions voir parmi eux les différences que eux peuvent voir parmi nous. C'est peut-être parce que je suis moi-même un être humain que je pense que nous avons certaines choses dont ils sont jaloux. Mais d'ailleurs, Bud, vous ne les aimez pas. Vous êtes littéralement furieux contre la théorie que soutiennent certains abductologues qui veulent que les, les aliens viennent ici pour nous faire évoluer, pour nous aider. C'est tout à fait à l'opposé de ce que vous pensez. Well, after 30 years of working with people who have had these experiences, I've come to see the emotional damage that is caused. Après avoir travaillé pendant plus de 30 ans avec des gens qui ont vécu ces expériences, je vois tous les dommages émotionnels qui ont été causés par cela. I haven't seen anything that would seem to me to suggest That they really want to help us. Je n'ai rien vu parmi tout ce que j'ai pu examiner qui me suggérerait qu'ils sont là pour nous aider. Mais je suis aussi parfaitement conscient que je n'ai rien vu non plus qui, suggérer, qui tendrait à suggérer qu'ils veulent nous faire du mal.

et donc c'est c'est très humain de prendre euh, ces expériences et de les replacer dans le cadre euh, des, des bons anges et des mauvais démons je n'ai vu aucune preuve qu'ils peuvent être considérés comme bons ou comme mauvais the emotional damage that they cause en ce qui, pour autant que je puisse en juger, les dommages émotionnels qu'ils causent ne sont pas délibérés. C'est, euh, nous utilisons euh, dans la guerre le terme de dommages collatéraux. We were to blow up a radar base. Ce qui signifie que nous essayons de faire sauter en fait une base radar. But we saw we blew up an orphanage instead. Et nous sommes absolument désolés d'avoir fait sauter un orphelinat à la place. Nous ne voulions vraiment pas en fait faire sauter l'orphelinat. Et les extraterrestres ne semblent pas vouloir causer, créer délibérément des euh, dommages émotionnels. But they do. Mais ils le font. Alors, quand on regarde la façon spectaculaire dont le nombre des enlèvements progressait et vous me direz bien sûr il y avait des cas dont on ne parlait pas maintenant on en parle de plus en plus facilement est-ce que vous considérez que le phénomène est en train de s'éteindre de continuer ou de se développer au point de vue du nombre j'entends question because more il est très difficile de répondre à cette question car euh, au fur et à mesure qu'il y a plus de publicité autour, c'est peut-être simplement qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de ce qui leur est arrivé And so are et donc viennent et racontent leur histoire. We don't know whether... There are more abductions or even less abductions. Nous ne savons absolument pas s'il y a plus de cas d'enlèvement ou moins de cas d'enlèvement. Mais il y a plus de gens qui paraissent euh, accepter de venir et de raconter. J'ai euh, fait une conférence en Angleterre une fois. Et certains sceptiques ont dit. That abductions are an American phenomenon. Et un sceptique a déclaré que les enlèvements étaient un phénomène américain. There also some now in England, he said, Mais il y en a aussi maintenant en, en Angleterre of à cause de la publicité américaine. What? Il a dit Vous n'entendez jamais parler de cas d'enlèvement en Arabie Saoudite ou dans des pays en Afrique. Et je lui ai répondu que c'est parce que les gens là-bas ne savent absolument pas à qui rapporter ce genre d'expérience. No really to to il n'y a probablement personne là-bas qui puisse essayer de les aider. And he insisted that wasn't so. Et il a insisté que ce n'était pas du tout le cas. Donc j'ai donné un second talk en Angleterre. Donc, j'ai fait prononcer une seconde conférence en Angleterre. Et je l'ai intitulé Il n'y a pas euh, d'abus sur les enfants en Iran. Iran. J'ai dit Je mets au défi euh, quiconque de présenter ne serait-ce qu'un seul cas euh, d'abus sur des enfants en Iran. J'ai dit Ça ne doit arriver qu'aux États-Unis et en Angleterre. So, It's very hard to know from what we hear exactly how widespread the phenomenon is. Donc il est très difficile simplement à partir de ce que nous entendons de dire de quelle manière le phénomène est répandu. You know, imagine this. A child in Saudi Arabia is having abduction experiences. Imaginez simplement qu'un enfant en Arabie Saoudite a une expérience d'enlèvement. She tells her mother Elle le raconte à sa mère et celle-ci lui dit, en fait c'est un djinn qui est venu euh, te voir. So we have to pray and read the Koran. Donc nous devons prier et lire le Coran. Uh, L'enfant sait très bien que ce n'étaient pas des djinns, mais la mère, elle, lui dit le contraire. The lesson to the child is: don't tell your mother; she won't believe you. Et donc la leçon pour l'enfant est: ne dis rien à ta mère parce qu'elle ne te croira pas. The child grows up with more of these experiences. L'enfant grandit en ayant de plus plus de ces expériences. And learns that there's no one that you can tell those experiences to. Et apprend en même temps qu'elle sait qu'il n'y a personne à qui on peut raconter ses expériences. Very commonly, that person will begin to think of themselves as strange. Habituellement, cette personne commencera à se considérer comme étant bizarre. Of will Elle aura des problèmes d'estime de soi. Man, like le gouvernement lui déclare que non, ce, cela n'existe absolument pas. Donc le dégât, psychologiquement, vient des aliens et des humains. So, en fait, les dommages psychologiques viennent à la fois des extraterrestres et des humains. And from that own et de la famille de cet enfant lui-même. So, C'est là, là la démonstration selon laquelle euh, cela a été très difficile pour beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire que les, les kidnappeurs soient appelés « djinns » ou « aliens » Je vous donne un exemple. J'ai fait un petit peu d'ethnologie de, dans le Haut Atlas, dans une, popula dans une population qui m'a beaucoup intéressée, parce qu'il y avait beaucoup de croyances dans les djinns. Et quand on a commencé à me parler des enlèvements par les djinns, j'ai simplement bah, cherché à savoir comment se produisaient ces enlèvements. J'ai retrouvé à peu près toutes les caractéristiques des enlèvements que me racontait n'importe quelle bonne abductée dans, dans un groupe de soutien aux États-Unis, en Angleterre ou de les gens qui m'écrivent ici. Bon, ils appellent ça les gins, les jnoun plutôt. Ils appellent ça les gins parce que c'est conforme à leur culture. Mais c'est exactement la même chose. Débarrassez-vous du contexte religieux dans lequel ça a été codifié, etc. Les, les sujets vivent l'expérience exactement de la même façon. L'un des problèmes est qu'il y a un certain nombre de de groupes et de religions qui euh, déconsidèrent les gens euh, qui racontent ce genre d'expérience. Uh, um, Nous, Nous savons maintenant que dans certains cas, il y a des, euh, des rituels euh, extrêmement douloureux qui sont pratiqués pour débarrasser cette personne des djinns. Ou les ou que comme ou des esprits maléfiques ou des, des êtres quels qu'ils soient qui sont perçus comme euh, euh, infestant cette personne. Donc les exorcismes qui sont pratiqués peuvent euh, blesser euh, des personnes. Euh, même dans ce cadre. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que qui que ce soit qui produit cela, et par convenience, on les appellera les extraterrestres, en fait, cause les, 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 les dommages émotionnels. Non. Alors, nous avons donc ces aliens dont nous ne savons absolument pas d'où ils viennent, s'ils sont d'ici, s'ils sont d'ailleurs, qui semblent se mêler à nous. Vous avez donc à peu près dessiné leur programme, leur agenda, ce qu'ils veulent faire. What the ultimate agenda is, uh, is again something we don't know. Quel est leur but ultime Une fois de plus, c'est quelque chose que nous ne savons pas. J'ai dit précédemment que la différence entre une secte et le phénomène ovni, c'est no qu'une secte n'a que des croyances et pas de miracles. And we have all miracles and no beliefs. <laughs> we have no idea of where these beings come from. We have no idea what their ultimate, ultimate goals are. We have no idea how any of their technologies operate. We just know. What seems to be happening to our human beings at their hands. Nous, nous connaissons seulement ce qui semble arriver aux êtres humains qui tombent entre leurs mains. And that's because we understand human beings, we don't understand aliens. Et cela parce que nous comprenons les êtres humains, mais nous ne comprenons pas les extraterrestres. And the word alien just simply means what something isn't, doesn't mean what something is. Et le mot extraterrestre simplement signifie ce que ce n'est pas, mais ne, nous ne savons pas ce, qu signifie, ce que c'est véritablement. Oui, parce qu'il y a un, un jeu de mots plus subtil en anglais qu'on ne peut pas rendre en français, hein, parce que alien, c'est ce qui est étranger, voilà. étranger, c'est en même temps étrange, c'est étrange à nous. Hein euh, et pas seulement extraterrestre. Hein. Évidemment, le, le mot alien est peut-être meilleur que le terme de e ITI hein, pour parler de ces visiteurs. En, an, en anglais, mais en français, c'est très difficile de le rendre, effectivement. Oui, mais euh, peut-être, euh, ils il préférait qu'on parle de alien plutôt que de E.T. Hein » Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le résister Il y avait une célèbre euh, chercheuse américaine qui avait écrit là-dessus, Anne est qu'on peut leur résister ou ne pas? well, i don't feel that uh, resistance is even an option because if they can paralyze us and so we can't move and can control some of our behavior, at least some of the time, uh, what good would it do to have a hand grenade with you uh, under those conditions? Euh, J'ai l'impression que dans ce dans ce cas particulier, la résistance n'est pas, pas une option parce que lorsque vous êtes face à des gens qui peuvent euh, vous paralyser, vous immobiliser, quel bien cela peut-il vous faire, même si vous avez une grenade dans la main Et je ne voudrais pas euh, paraître euh, violent en la matière mais ce qu'il me semble c'est qu'en fait les cartes sont dans leurs mains pas dans les nôtres. violence uh, reminded me of, uh, a cartoon Cela me rappelle un petit dessin que Alan Heineck euh, avait l'habitude de montrer. It showed some very fat generals standing around some uh, Radar ce petit dessin montrait un groupe de gros généraux euh, entourant euh, un, radar de, euh, un écran radar. And there were unusual blips on the radar Et il y avait des, des, des images étranges sur le radar. And one of the said to the other, Et un des généraux dit à l'autre, pourquoi est-ce que nous n'abattons pas l'un d'entre eux pour voir s'ils sont amicaux <laughs> Bon, alors nous n'avons qu'à nous résigner à continuer à être des des cobayes alors. Well, what has happened so, all along is we've gathered tremendous amount of information as to what's actually happening to people who were abducted. Ce qui se passe, c'est que nous avons amassé euh, énormément d'informations jusqu'à euh, jusqu maintenant sur euh, les événements qui arrivent lors des enlèvements. And all we can continue to do is to continue gathering data. And isolating patterns of their behavior. Et euh, tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer à euh, amasser euh, ces, ces faits et à euh, discerner euh, les modèles qu'il peut y avoir euh, euh, à leur travers. Mais je ne voudrais pas vous rappeler, le, rappeler à Bud la triste loi de l'ifologie. Que vous allez vous faire un plaisir de le rappeler, n'est-ce pas, en ufologie, toute loi à peine dégagée est immédiatement démentie par les observations suivantes. D'après uh, euh, ce que je peux voir euh, dans, dans l'histoire des cas, en commençant par celui de Betty et Barney Hill. Uh, nothing uh, that was recorded in 1961. Rien de ce qui a été enregistré en 1961 n'a été infirmé depuis, simplement cela s'est répété encore et encore. J'ai écrit quatre livres sur une période de 24 ans. Et je n'ai jamais eu à revenir à l'un des anciens et dire tel et tel... Turned out not to be true. Et je n'ai jamais eu besoin de mentionner, de revenir sur une partie de l'un de mes livres et de dire telle partie n'est plus bonne aujourd'hui. As a matter of fact, the, the way in which most of our knowledge continues to be uh, actually replicated again and again is a sign of truth. En fait, la manière dont une partie de ce que nous connaissons est répétée encore et encore signifie que nous connaissons quelque chose de la vérité. Alors c'est très intéressant parce que lorsqu'on se réfère à la, la, la monumentale étude de Thomas Bellard, qui a disséqué l'enlèvement en un certain nombre d'épisodes, il se trouve que vous, vous avez focalisé... Mmh. Votre travail sur ce que j'appelle l'abominable scénario euh, sexogénétique, mais il y a toute une partie des différents épisodes de l'abduction qu'on trouvait dans les anciens cas et qu'on ne voit pratiquement plus jamais maintenant. Les, les grands voyages euh, euh, galactiques, la visite du, va du vaisseau, le discours du capitaine, tout ça, il y a quand même des, toutes sortes de parties. Qui n'existe plus, comme s'il ne restait finalement que l'enlèvement, l'examen et les procédures génétiques, et l'examen médical et les procédures génétiques. Ce well, que nous avons toujours fait, c'est de centrer l'attention sur les patterns qui sont les plus fortes, et les processus reproductifs et la production de ces êtres, ainsi de suite. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il semble que nous nous concentrions sur euh, les éléments qui sont euh, les plus forts, comme euh, l'examen médical ou les procédures génétiques, et que certains épisodes, comme euh, le voyage sur une autre planète ou euh, le vaisseau, se font beaucoup plus rares. Se, dit se font beaucoup plus rares euh, oui. maintenant. Well, the, these cases do turn up from time to time, but very rarely, and therefore, uh, until it becomes a stronger pattern, uh, we have to put them to one side, waiting for more evidence. Euh, ces ces cas-là cas en ce moment sont de plus en plus rares, et jusqu'à ce qu'ils se mettent à réapparaître en force, nous ne pouvons que les mettre, les mettre à part et attendre pour avoir plus de preuves en la matière. Alors comme nous n'allons pas euh, faire coucher Bud ben à des heures épouvantables, surtout qu'il rentre de voyage, je voudrais simplement une dernière question, puisque nous, nous connaissons la frilosité de l'université et des, et des chercheurs sérieux en matière du enlèvement. Bien que je tiens à vous le dire, j'ai eu l'honneur de présenter le dossier des, des enlèvements au CNRS, ce qui était quand même euh, une performance, si je peux dire. J'aimerais savoir si la communauté des, des psys, les psychiatres, les psychologues, etc., commence à s'ouvrir un peu plus ou si c'est toujours réservé à une frange minuscule. Ce qui s'est passé, c'est que au cours des dernières années, il y a eu de plus en plus de psychologues, de psychiatres et de savants qui se sont intéressés d'une manière ou d'une autre à ces cas. I've, I've had eight, uh, come to me because of their own abduction experiences not their patients their own experiences il y a j'ai eu euh, huit psychiatres qui sont venus me trouver à cause de leur propre expérience euh, leur expérience personnelle pas celle de leurs patients Bon, alors comme nous vivons en général avec dix ans de retard, tout ce qui se passe aux États-Unis, peut-être que dans dix ans la communauté des psys sera un peu plus ouverte en France, et c'est ce que nous pouvons nous souhaiter de meilleur. Merci beaucoup Bud d'être venu chez nous. Alors on se retrouve à Chalon. Merci Annie. Merci François. On vous reverra certainement parce qu'il y a encore des tas de choses passionnantes que nous n'avons pas dit ce soir parce qu'on avait laissé délibérément la vedette à Bud.